que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Bonjour, je m'appelle Guy Chitea. Je suis avocat ici à Dallas, au Texas. Je suis habilité à pratiquer le droit au Texas, mais aussi dans tous les États des États-Unis, parce que c'est la loi fédérale Immigration Law, la loi d'immigration. Donc si vous avez des problèmes d'immigration, par exemple, vous voulez appliquer pour la citoyenneté ou des visa petition, faire venir les membres de vos familles qui sont restés en Afrique, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider. Pour m'atteindre, vous faites le 817-247-5731. Je suis aussi joignable par email au chitealaw@gmail.com. Et je précise que je parle plusieurs langues, l'anglais, le français et le swahili, le lingala, le chuluba. Contactez-moi à votre plaisir. Merci. Bonjour, j'ai l'honneur de vous accueillir à SuperTax Services, notre compagnie et votre compagnie. Je m'appelle Simon Lecan, SuperTax Services. Bon, comme vous savez, les taxes, ça prend fin déjà. Donc, nous vous invitons de venir beaucoup nombreux. Et comme vous le savez, la fin approche très rapidement. Donc, il faudrait venir que nous faisions vos taxes et que vous soyez contents. En plus de nos services de taxes, notre compagnie a un service d'envoi de colis et des voitures UPI par conteneur. Nos prix sont super compétitifs. Laissez-moi vous dire, les prix sont les meilleurs. Toute personne qui a besoin d'acheter une voiture ici aux États-Unis, nous pourrons le trouver pour vous et vous la ramener au pays. Venez nous contacter au 469-532-2349. Et veuillez aussi nous contacter par notre boîte email supertaxservices@yahoo.com. Notre compagnie vous offre aussi des services de prêt, de pay des loans. Si vous vous retrouvez dans des difficultés, veuillez nous contacter, vous aurez votre solution. Merci, chers frères, vous ne serez pas déçus. SuperTax Services, your key to the better return. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission Éveil Patriotique. Merci beaucoup pour votre fidélité à notre chaîne Yeba TV, mais aussi à notre émission Éveil Patriotique. Nous sommes là pour vous servir comme d'habitude. Sur l'actualité qui domine la scène politique, nous allons parler de la date des élections des membres du bureau de l'Assemblée nationale qui est désormais, la date est connue, c'est le 18 mai, où les choses doivent se faire. Batouba, Zalaki Bongoko, Loba était président Mbosso, Christophe Zalaki qui a bloqué Bongo, organisation avec l'élection en âme, cette fois-ci. Date Ezali connue, nous allons parler de la révision de la Constitution qui crée des sérieuses polémiques
dans la scène politique congolaise, pourquoi pas aussi parler de l'interview que le chef de l'État avait octroyée à un journaliste français qui a créé des polémiques dans le monde entier. Je vis les Chinois commenter là-dessus, je vis les Tunisiens, les Marocains, les Africains commenter là-dessus pour ce courage, cette façon de parler du chef de l'État. Alors, sans plus tarder, pour entrer en détail de ces annonces, nous avons sur ce plateau Monsieur Joseph Mbezakié, cadre et communicateur de l'UDPS Tshisekedi. Mwanamboka, Joseph Mbeza Mbote. Mbote Ndeko Trésor Kandolo, Mbote na ba téléspectateurs. Onyoso ba misana ko yanda biso na YouTube na Yeba TV to pesi bino mbote de partout bozali na pesi pe ma longoni ya mingi na mokonzi ya mboka na mama mokonzi ya mboka na secrétaire général Augustin Kabuya na pesi ba membre nyoso ya IDPS ba congolais nyoso mbote sans oublier na pesi pe ba nyoso ya chaîne na biso Yeba TV cordon Chadrak Mbote, place à saluer le DG, la PCP, Ndeko Nangaï, Lekinanga Rabi Mokoko, na Lekinanga Mike Chiswaka, la PCP sans oublier Batoto Messana na Bangwawa, Pasteur Gili, Mama Pascaline, Abigail, Irite Ngache, Miteranaya, Abechole, Batunyoso, Topesibino Mbote. Merci beaucoup, Mwanamboka Joseph Mbenza. Nous avons Rabi Mokoko à la réalisation. Puis du côté de notre montage, nous avons aussi Mike Chiswaka derrière nos caméras, toujours pour vous servir. Alors, sans plus tarder, joyeux anniversaire à Mama Jenny Katompa. Mama Jenny Katompa. Depuis Toronto, Canada, où vous êtes, nous vous souhaitons des bonnes choses. Longue vie à vous. Soyez prospères à tous égards. Que Dieu vous comble de toutes les bonnes choses. Que Dieu vous ajoute ce qui manque dans votre vie. Wana grande sœur, Nayo Wanamboka. Bon, hier, yeah, Kendeki qui pour moi le mbango biso tous les noms banamiké, amiké n'est là déjà poto, donc là on appelle ses grandes sœurs Mama Jenny Katompa Mbote, parce que c'est une grande sœur, on a les camarades d'abalek inaé, Omer Katompa, Eric Katompa, JC Katompa, Gauthier Katompa, Roger Katompa, vous maîtrisez très bien la famille, grande sœur Diani Katompa, Monique Katompa. C'est une grande famille. Okay. Parmi ma famille notable na Pigeon. Okay. Même la ville quand même. Oui, Zando ba le avenir Katompa. Kato. C'est ça combat tata na bangote. Oh, Tikaboy. Mais oui, ça va. Ah, on peut même sur na bagate. Avenir Kato, ça va venir Katompa. Au moins que na ebi. Donc le premier à construire des maisons commerciales na Zando. Oh, ben, on a venu 14 ans, papa, là-bas. Ok, en tout cas, ça c'est une chose de plus qu'elle vient d'ajouter dans ma vie. Tu as dit que tu as un Peugeot 504 dans le Congo. Ok. On a continué. Tu es aussi qui en a des amis. Non, je continue. Tu appelles si maman a ton pambo. C'est une façon de l'honorer. Le lot de tournaillé, quand même. Oui, on appelle si maman, parce que maman a l'andak ou un pigeon. Sauf qu'il y a un pigeon, croisement des avenirs, Niwa, Kananga, numéro 8. Et pas maman Jenny Katompa. Ah, il y a un pigeon. La vente dans la salle à 8 mois. Ok. Merci beaucoup. Bonne fête à vous, maman Jenny Katompa et tous les enfants. En tout cas, Bissika Bozali, vraiment, Zambé, Abate, la Bino Bakisa, Ebele. Merci beaucoup, mon Mboka. Attaquons déjà le sujet de notre émission. Enfin, date, il y a élection. Il y a ba membre à bureau définitif de l'Assemblée nationale, les Ali connu, les Ali bon le 18 mai. Alors, moi, Mboka, on disait que M. Christophe Mboso, puisque Azoa quitté la élection primaire, a là qui a bloqué Bongo l'élection. Et ça les matins, mais lui aussi avait répliqué en disant qu'Ezali était, Ezali fallait majorité parlementaire dans l'Union sacrée, bah yo kana opposition pour n'avoir pas ce n'est pas la réaction d'Ezali. Mais non, normalement, c'est là où c'est déplorable. Okay, hein? Okay. Déplorable
na constitution autre le belango aux hommes là que constitution la biso ezana ba lacune ebelé ne nangai na constitution actuelle po ba institution nyonso mboka ezala installé ça prend la moitié de la première année après investiture ya mokonza mboka ça pose problème il faut que le président prête serment. Donc, aux hommes, on a quel souci, Ezamakasi, Yango Moni, to comité à niveau, oh, nous sommes au mois de mai. Jusque-là, le premier ministre, la première ministre a été nommée, mais les choses ne bougent pas parce que ils appellent lacune la constitution. Mm-hmm. Au-delà de lacune la constitution, ils appellent problème, paix à la problème là-bas, opposant. La bandelle Yango. Au-delà des problèmes constitutionnels, du juridisme inutile, il faut changer constitution. Je pense bien, non, et puis nous avons tout le colangai. Donc, au-delà de ça, il y a aussi un problème humain. C'est-à-dire, il faut que gérer le capital humain au Zanakata Union Zakri. Okay. C'est-à-dire, Pepe Mboso a coquille qu'aux Alana raison d'une part. Et puis pourquoi? Parce que jusque-là, le ticket complet à Union Sacré Zana nous établité. Nous avons un président, un premier vice-président au Zanakata, je salue le professeur. Paul Chilumbay, donc un homme très compétent. Paul Chilumbay, la poste est seulement l'UDPS. Poste il y a deuxième vice-président, Ezavid. Poste il y a rapporteur, Ezavid. Poste il y a rapporteur adjoint, Ezavid. Poste il y a questeur, Ezavid. N'a poste questeur adjoint. Banane baza habilité à co classer batoana. Non, Ezali comme lobby, bayo réunion salamagité. Okay. Ma membre a présidé ma union sacrée. Réunions au salamalélo pour nous définir. Parce que bitumbeza makasi. Nan y'a qu'un membre na bureau, nan y'a qu'un membre na bureau, te, ils ont rappelé objet à copanzana. Ils avaient problème pour y a poids politique. Étant donné que l'opposition déjà basuit rapporteur adjoint, donc etigaligaga poste à deuxième vice-président, un poste y a rapporteur na rapporteur adjoint. Donc etigaligaga quatre postes. Il faut donc, le deuxième vice-président, et le rapporteur titulaire, na adjoint. Tester. Non, adjoint, le bi nani opposition basuit. Bah, opposition déjà basuit. Ouais, basuit. Donc, c'est-à-dire que le Kester, Kester adjoint. Donc, ce qui est salami n'engwana et qu'on justifie Makambu, patriarche Mbosso lobby. On se comprend, parce que là, on peut lui accorder bénéfice de doute, parce que Yepepo a se lancé n'engwana. Il a fallu que. Na niveau union sacrée ba levé option nani akokoti sabatu na bureau tete bi déjà que PCR bazan déjà na mutu na bango o ezali l'honorable Vital Kamerhe. OK. Vous comprenez? Là nous saluons le haut représentant du chef de l'État monsieur Kankou. Mais c'est Tony Kankou. Tony Kankou. Vous comprenez? Donc na niveau UDPS, c'est déjà bon. Je salue le secrétaire général Augustin Kabuya, mais les autres Nanou, bah c'est décidé de place, ne pas qu'on donne lelo. Ce qui est donné, nous allons faire ça minango. Il y a un moment où tu as accordé Pepe Mboso raison par rapport à évoquer. Mais tu as dit que non, Pepe Mboso a été équipé Libakou pour l'élection à niveau il y a primaire. Vous comprenez? Il y a un moment où tu as dit le fait que M. Vital Kamerhe Azali élu par des députés nationaux. Et que le président a accepté cela, Bissonio sont obligés, il y a coaché Maboko, parce que ceux qui te lobbyent le contraire, c'est-à-dire toquer à l'encontre et à volonté, il y a chef de l'État. Donc très, voilà un peu la situation. Très bien, mon Mboka, merci beaucoup. Likambo, ou tu kolo, ben, en révision constitutionnelle, mon Mboka, créé polémique, Makasi. Bon, posez ma lobby, ce qui va me kick aussi, ma constitution. Bakobima Nanzela bako appliquer article 244. Il y a même d'autres personnes qui disent que wana botika ko frister batu ya wana nde batu bako luka bakene ba rebelle ba bloko bongo conscience ali eloko ko simbate il faut etika la obé bongo réaction na wana mboka na 2010-2011 nanya kenaki rébellion parce que monsieur Joseph Kabila avec ses compères à niveau il y a assemblée nationale na sénat ba modifier constitution. OK. Non, la Kenya rébellion. Personne qui a parlé. Personne. Mais pourquoi ton communiqué à période à Félix, à l'objet que nos constitutions, ça n'a même pas photo ça là quelque chose. Mais comment on a battu Kenya rébellion? Bravo, Kenya rébellion. Non, nous avons empêché Baba. Mais soyons sérieux. Tout le monde a nos constitutions. Ndeko.
mon compte en banque a le bien sa constitution post-conflit. Vrai ou faux? Vrai. C'est-à-dire ça a été taillé sur mesure pour qu'on s'épellisse à un groupe de gens. Mais, et ça, on va bien dans la politique, la mutation politique. La politique n'est pas stéréotype ni statique. L'évolution de la société a fait que la constitution est adaptée à la réalité politique, sociologique, anthropologique congolaise. Pour nos installations d'institutions, il faut prendre la moitié de la première année d'élection. Vraiment. Bientôt 6e mois. Non, mais tu en juin parce que le Sénat sera installé au mois de juin. Vraiment. Et c'est ça normal pour un pays qui veut avancer. Bon, il y a une constitution. Il y a une disposition à la constitution, c'est-à-dire l'article 7. Condition, bah, Roubaix, Wabas, on a la table de négociation, il fallait faire sauter cette disposition. Il y a l'article 7, il y a Zahir, Roubaix, le Benini. Sur la nationalité, sur le mode d'accession au pouvoir. Aujourd'hui, quand on a la constitution, il y a un Zabongo, il y a un Congo. Trésor, on m'a dit qu'il était dans la gouverneur du Congo central. Vraiment. Mais la constitution. Bah, lobby, je suis congolais. Pendant que tu es congolais, la constitution est le que ce que on vend dans le Congo central, c'est chez toi. Est-ce que toujours réfléchir? Donc déjà, constitution, ils allaient... Élément déclencheur à tribalisme. Mais ils allaient une exacerbation à tribalisme dans Katsamboka. C'est-à-dire que gouvernement provincial, Batoua Kassai, gouvernement provincial, Batoua Congo central, exécutif, ensemble provincial, Batoua même province. C'est-à-dire que constitution, oh, et Salinini, et bouki cohésion nationale. Force et nation. Cohésion nationale, l'unité nationale. Et ça, la Babilo Kouana, il avait réussi son coup à une certaine époque où il y a territorial de non-originaires. Conde Vila Kinkanda, mon frère Mouyombe, gouverneur de Nord Kivu. Okay. Et il avait bien travaillé. Et j'aurais appris qu'il a bien Chaba. Il avait fait un bon travail là-bas. Maman Zouzombo, je crois qu'on s'entend bien Kinshasa. Kinshasa. Ouzoumounananou. Ça, c'était un pays. Mais on n'avait pas tout ça. On n'avait pas toutes ces institutions. Mais le pays respirait. Mais la constitution, il y a un belligérant. Il y a une constitution. Donc, Joseph Kabila, a sali ba manigance contre Étienne, il a Kinshasa, a créé a désigné yo, comme la commission que tu étais dans ma constitution. Ce n'était pas des élus du peuple. Mais cette fois-ci, on a des élus du peuple. Donc, on a que, quand même, constitution, ça a lacune, belen deco. Aujourd'hui, article 10 de la constitution sur la nationalité. Mais on a dit que le lot, il se pose un problème. Les Congolais sont plus de 15 millions à l'extérieur du pays. Avec cette constitution, ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine avec toute quiétude. Moi, j'ai salué l'initiative, il y a Noël Chani. Ouais, le bique non, Congolais, nous sommes même à Botami, à Mikilia Poto. Ceux qui ont un Niati aéroport international dans la frontière, ils se rêvaient déjà de la nationalité congolaise. Congolaise, oui. Ici, je lance un appel à Bandego Nabiso diaspora, Canada, France, Dino, Bovandi, à Mikilia Poto, Bobotiba, Nakuna, Bobotiba, Koko Kuna. Mais ceux qui ont changé la constitution, Bokosa, la possibilité, il y a qu'on l'a dit sous le droit de séjour. Oye na mboka na yo, oye malamoko komi congolais. Vraiment, mama, oh, visa, et te. Et ça sous-souté. Est-ce que vous êtes amabé? T'es amabé, t'es. Chico yo. T'as là les lots, toujours le gouvernement est installé. Le président incapable constitutionnellement de faire sortir le gouvernement, même de nommer premier ministre après prestation de serment. Vraiment. Il faut aller en là-bas pour cette une. Ça rend lourd l'État. Moi, il y a aussi un autre problème, le chef d'État l'avait évoqué, excusez-moi. À l'Obaka, il y a un problème, il y a nomination par gouverneur. Pour lui, le chef d'État voudrait que les gouverneurs soient nommés. Parce que le premier quinquennat a coûté une difficulté. Il y a des gouverneurs qui avaient la bonne volonté à matérialiser la vision. Mais qui était inquiété par le Parlement, pour les assemblées provinciales. Mais il fallait qu'il faut y ait un nomaka
Bon, alors qui était habi, il faut que les gouverneurs soient nommés. Parce que quand ils sont nommés, ils sont redevables au chef de l'État. Oh, le chef de l'État qui est, celui qui est redevable au chef de l'État, il est redevable au peuple congolais. Parce que le chef de l'État a eu la majorité de tous les Congolais qui non, c'est-à-dire on peut trouver une formule. Oui. La première formule est que le gouverneur soit directement voté par la population, ce qui est une bonne chose, pour nous éviter de bloquer un député provincial. Exactement. Deuxième possibilité est que le président nomme directement. Oui, oui. Et puis quand le président nomme, et il peut révoquer. Il a la latitude de nommer et de un révoquer. Gouverneur Muntandu au Nord Kivu. Un gouverneur Chi. Maman, nous avons Mombo appuyé cela. Non, parce que. Bateau basali territorial depuis époque belge na époque Mobutu bah yebi comment les choses s'effacer tellement comme conséquence de changer constitution neko yoza muluba ngana za mukongo bazui yo batindio mission de mission de service de mutation yebi période Mobutu bah mutation za la qui est-ce que ça va les sous ça bah militaire bah mutation si mali sous tena constitution na zoloba mais qu'est-ce m'a permis moi de konangai yako yeba presque ba quatre langues nationales. C'est parce que mon père était 2 ans dans le Lubumbashi, 3 ans dans l'Équateur, 4 ans dans Kasai. Qu'est-ce qu'aux conséquences des années l'unité nationale la cohésion. Il faut tout changer constitution. Pourquoi? Parce que yo ce que aux amuta Kasai, batignon mutation dans Congo central. Vous savez? Kuna, tu vas apprendre la langue, ce qui fait que déjà, les langues sont intégrées. Dans le nord qui vous j'essaierai de payser, n'a même pas Swahili. Vraiment. Donc, ça permettait que. Intégration nationale et salam. Mais on a perdu ça à cause des belligérants. Vraiment. Donc, nous avons ils voulaient nous séparer. Et dans les trois possibilités, il y a le changement constitution. Révision en constitution, na modification en constitution. Mais Bekolobi et qui cause la initiative, il y a Mokonda Mboka, et qui peut cause la initiative, il y a gouvernement, même parlementaire. Il y a moi, ils ont droit au Bengaka, l'opportunité. Si l'opportunité s'y prête pour le changement, te changer. Si l'opportunité s'y prête pour la révision, te réviser. Si l'opportunité s'y prête pour la modification, tout modifier. Mais qu'en pensez-vous de ceux qui pensent que c'est le chef d'État qui est autour de cette initiative, qui alimente cette initiative pour la législature? Si on touche à la législature automatiquement, tout revient à zéro. Il peut encore Tous ces opposants-là, nous sommes avec eux chaque jour. On a toujours décrié cette constitution. Mais quand le président prend le courage, on est que tout réfléchir, beaucoup mieux qu'on prête intention. C'est ce qui n'est pas bon. Moutounio, ça le baraque, on s'est amabé. Autant par le but, on modifie, on change, bientôt révisé. C'est comme une autre. Non, pas forcément. Et ça, le kouta. Bah, le but, la kiné, on va côté paysé, mboka. Martin Fayoulou. Moïse Katumbi et Peng, ce sont des produits finis politiquement. Ah, tigaboui. Mais moi, je pèse des mots. Je dis le Congolais dans son ensemble, parce que c'est là, changement, modification, révision, constitution, peu importe si l'opportunité s'y prête. Ok. Ce qu'on ça. Dans ces cas, vous proposez, s'il faut toucher, quels sont les points essentiels qu'on doit toucher? Je dis, boy, en tant qu'analyste, parce que ma gamba constitution, faut la initié pendant le vous êtes pour la modification, la révision ou les changements? Je dis ceci. Oui. Toujours ça l'analyse. Oui. Et ça, on va bien en français l'opportunité. Ce qui va élément sur terrain, ils ont qu'on définir que il faut qu'on change, il faut qu'on change. Okay. S'il faut qu'on modifie, il faut qu'on modifie. S'il faut qu'on révise, il faut. On a la coquille d'emblée T. Qu'on a tout changé. Mais point de vue, n'ayez aussi comme on en boca. Personnellement, non, en tant qu'analyste, je ne peux pas prendre position pour l'instant. Ah, mon amour. Non. Bon, en tant que en tant qu'analyste, oui. Vous savez, domaine il y a constitution, faut là bas paramètres et belé. Parce que dans la contingence, au gros le bagage à tête bouge change. Parce que pour le changer constitution, il faut une loi référendaire.
il faut qu'il y ait un référendum. Référendum, oui. Mais pour qu'on modifie, qu'on révise, on laisse un référendum. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde n'est pas un peuple. Mm-hmm. Bon, on a dit, dans le biboué, il y a le biboué, ni. Le peuple n'est pas le biboué, tout le monde dit autant. Vous comprenez? Mm-hmm. Donc, et ça, là, bah, en réalité, ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut qu'on ait la paix, conséquences immédiates et puis lointaines, il y a changement à la constitution. Okay. Est-ce les éléments souterrains vous poussent vraiment à dire qu'il faut tout changer par rapport à la réaction de la population? Mm-hmm. Il faut étudier aussi. Mais dans le Bible, dans la démocratie, est coli, où est Liboso, bateau, ça, la constitution, et ça, bah, anthropologue, bah, politologue, bah, sociologue, bah, philosophe. Mm-hmm. Bah, juriste, bah, constitutionnaliste, bah, y'a qu'en dernier lieu pour bah, paix sans vie. Parce que la constitution, et ça, la mixture, il y a constitution en Belgique, mais en France, qui n'est pas adaptée à nos réalités. Or, la constitution doit être adaptée à la réalité, bah, l'ouba, y'a bangala, y'a bachi. Donc, c'est-à-dire, bah, étudier, bah, bilo, qu'on a dit, bah, bimissier, le, qu'on manque, obisonios, te lobby, voilà, n'est-ce pas, tout le temps, mais, oh, bah, qui est là, rabisson, on va qui est là. Très bien, mon amboka, tout comme on a souk émission, abisso, recadrement du président Félix Tshisekedi à un journaliste français, et sali, maman, na succès, na moni, bah, te belé, bah, H5 motivation, azaka, je crois, il est de la nationalité tunisienne ou marocaine. Si je ne m'abuse pas, algérienne, à l'Obéliango, il y a beaucoup de gens qui ont parlé, les Africains. Balobeli yango monde mobimbe ningani na réponse moko zamboka pesa ki puisque ezaki ba question piège o bazaka kotuna ekota a ces français là il lui posait la question en tel ancienne que ya ko yeba exemple que na ba chinois na ba russe na ba islamique na ba européen ba occidentaux plutôt banaye ba ko rafler marché et belé na na Afrique moko zamboka zaki clair na na zaki ce qu'un peu ndenge zaki po o lo ba un peu sur yango zamboka zaki clair alobino bango ba comme ba partenaire ba respecta kabiso bazoya il nous considère mais bino boyaka avec arrogance bozoya met bo pe biso ba leçon met biso to ba amike fo we bo pinir et consort mais tout ni à l'obi, à ta baza, qu'on respecte la démocratie, tes droits de l'homme, tes mokosa mboka, et puis ça, c'est quoi la démocratie? Bon, père répéter la lobby, droit de l'homme, ah, bah, vous m'arrabatoutez, marchons de Saint-Maté, ah, bah, tout bah, koufi et consort. Moi, la mboka, au-delà de tout ça, c'est une interview qui a montré à la face du monde que le chef de l'État peut à tout moment, avec son pays, basculer du côté. De la Russie ou de la Chine, parce que bah, à tous les pays questions, bah, Vagoso, expansion, il y a Wagner plutôt en Afrique. Ozo, mon amour, on a dit, battre ce qu'on dit, excusez personne dans le monde. Question n'a toujours pas ce qui va trouver comment le bac est fait comme une mère morale là-bas occidentale. Tout ça est là, tout patron dans le monde en français. Ok, c'était pour battre en brèche tout ce qui s'est raconté inutilement sur la personne du chef de l'État, le qualifiant de traître par rapport à l'idéologie panafricaniste. Ok. J'ai vu même des professeurs togolais, j'ai vu même des professeurs maliens, certains internautes des TikTokers dire que notre président avait trahi. Mais cette interview a changé les donnes. Le président Félix s'est montré panafricain et protectionniste. Il a montré le côté protectionnisme de l'Afrique. Il a montré le côté de la vivacité de l'Afrique. C'est-à-dire, il a bâti en brèche ce qu'on appelle le partenarisme international, où les Occidents se considèrent comme des papas, nous, nous sommes des enfants, qui doivent donner des injonctions, qu'est-ce que tu vas manger le matin, qu'est-ce que tu vas faire le soir. Mokonza Mboka, à Bouyamo, il a été clair. Et puis, à cette interview, on voit, en France, ça veut tout dire. C'est parmi le rare de président, bah, je vois courage.
de dire pareille chose en plein France. Journaliste français. Je dis journaliste et français. Il y a un journaliste français qui se comporter comme tout le monde va jouer au rôle de politicien. Bravo au chef de l'État qui a montré seulement que je peux traiter avec la France. Je peux traiter avec la Russie parce que lui, il a levé l'option de ne pas mettre la RDC en autarcie. Et moi, je suis en train de dire, comment est-ce que au condamné l'évasion russe en Ukraine, mais pendant que aux alliés qu'on coopérer, na qu'on a coopéré, na c'est Bibi qui nous fait beaucoup. Au condamné qui, bah action, il y a Israël à Gaza. Mais pourquoi? Non, c'était seulement pour montrer que c'était très intelligent. C'était seulement pour montrer que moi, Félix Tshisekedi, Chilombo, Félix Antoine, fils de Tshen Tshisekedi, d'heureuse mémoire, président de la République, je ne subirai pas des dictats ni des injonctions venant de qui que ce soit. La RDC se décidera elle-même. Ah, c'est à nous de choisir qui. Il y a quoi comme partenaire naïe. Et puis à l'obiboué. La mise sera raflée par la Russie et la Chine parce que quand ils viennent, ils nous respectent. Ils nous respectent. À l'obi, la mise. Là, c'est-à-dire clair. Le contrat. Il y a Milene et vous allez signer par, et vous allez gagner par eux. C'est ce qui a intrigué le journaliste. Journaliste à Kamoué. A vu chimie. Et puis normalement, ce que Tali en tant qu'analyste, il ne s'adressait pas aux journalistes. Oui, oui. Il s'adressait à M. Macron. À tous les Occidentaux. Voilà la réponse. Donc pour dire que le président n'a jamais trahi les valeurs panafricaines, il n'a jamais trahi la RDC. Il est dans une politique. Au moins, il n'a extérieur. Quand tu fais face aux puissants, il faut avoir une certaine flexibilité. Ouais, la rigidité au concours pouvoir. Au concours fort. Au concours j'aime qui pour voir. J'aime qui le mouvement parce qu'il était. Pas c'est mal, mais ils sont nombreux. Mais lui, il sait que bateau, faut la jouer bon, Jacques Zeng. Très bien, mon amboka, tokomi na souk émission na biso, ta la caméra. Il y a Mike Tshisoaka, secondé par Rabbi Moko qui bon pèse malobano ya souka. Non, c'est seulement de saluer tous les Congolais qui nous suivent de partout dans le monde. Na pèse ndekolangai na Turquie Tom Mamba, Mbote ndeko Jean-Pierre Kalonda na Liège, ndeko Pichu ndongala na Londres. Pèse Mbote, vous continuez à vous abonner massivement na Yeba TV. Donc ceux qui veulent nous encourager, numéro c'est le 0-48-57-26. Je ne peux pas passer sans saluer un homme que j'admire, le pasteur Guili Boukwala. C'est vraiment un grand frère. Donc, coup de chapeau à Ebi Ovanana Baleki. Sans oublier aussi mon ami et jeune frère. Mon ami et jeune frère. Mitteranaya, que j'admire aussi beaucoup. Donc voilà, Nzamba Pambolabino. Merci beaucoup. C'était une grande joie pour nous partager. Nayo plateau, mon amboka. Merci beaucoup. Nabatunyon, soba founisaka. Effort pour que Yebative à la Nenge et Zali Boye. Là, je pense directement à Pasteur Guili Boukwala, Mitteranaya, Pascaline Kassongo, Ritengashi, tout ce monde-là, DG Chadrak Loholo. Bah, effort, Yebative. Surtout, voilà pourquoi vous voyez Yebative tel que Wali Komonango, image Wali Kopesa, Namboka. Alors, à tout ce monde-là, Oyebazaki disposé. Restez branchés sur notre chaîne. Vous ne serez en aucun cas dessus. Mieux vaut être maître de son silence que plutôt esclave de ses propres mots. Merci. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.